En tout cas, c'est une première grosse surprise, une mauvaise surprise avec l'élimination quasi certaine, en tout cas des 10 premières places, d'Alia Youssoupova. Alors qu'ici se présente une toute jeune et toute fluette concurrente britannique, Anna McKibben, au ballon. Décidément, il semble qu'il y ait pas mal de nervosité dans l'Essonne cet après-midi. Comme nous vous le disions en début de reportage, c'est vrai que ce tournoi de Corbeil-Essonne est le dernier grand rendez-vous avant les Jeux d'Athènes. Il sert aussi de sélection pour nombre de ces jeunes filles. Et là, c'est une deuxième erreur que nous voyons avec le ballon qui sort de la piste. Le final est bien qu'un tout petit peu décalé par rapport à la musique. En revanche, la jeune concurrente britannique, un petit peu à l'instar de Youssoupova à l'instant, a également connu un malheur que l'on va certainement vous remontrer avec un ballon qui, semble-t-il, est parti en dehors de la piste. Ce n'est pas semble-t-il, c'est une certitude. Et le voici, effectivement, ce ballon qui s'en va en dehors de la piste. Pas mal de nervosité chez les concurrentes cet après-midi, semble-t-il. Ce ballon qui est, vous l'avez constaté, le seul des quatre engins à ne pas permettre de prise. On ne peut pas complètement le tenir dans la main, ce qui fait qu'il développe